Et je parle ici? Oui. OK. Bon, mais, merci Hamid pour cette introduction, cette ouverture. Bon, merci à tous encore d'être là. Et un grand bienvenue à Isabelle Dufour. C'est vraiment un plaisir de faire l'introduction de son exposé. Isabelle Dufour, elle est en quelque sorte une mécatronicienne avant la lettre. Donc, comme Hamid a déjà dit, elle a fait ses études à l'École normale supérieure de Cachan. Et ensuite, elle a continué à l'ENS de Cachan sur une thèse. Si j'ai bien compris, c'était quelque chose avec des courants de Foucault. Et suite à sa thèse, elle a été recrutée au CNRS. Elle est restée au laboratoire Satie, qui ne s'appelait pas encore Satie à l'époque, hein, je le sais bien, mais en fait, voilà, c'est devenu Satie. Et là, elle a été très pionnière dans l'introduction des microsystèmes, des microactionneurs, les microcapteurs. Et en 2000, elle a bougé vers Bordeaux. Toujours étant au CNRS. Et en 2007, elle a été recrutée comme professeure des universités à l'Université de Bordeaux, où elle travaille toujours. Si j'ai bien lu le CV, elle est toujours le chef d'équipe Organic Electronics and Microsystems Research à l'IMS à Bordeaux. Et donc... Merci. Bah, vous avez vu le titre. Donc. Bon, merci Isabelle. Merci Martin. Bonjour à tous. Merci pour cette présentation. Et puis je tiens à remercier les organisateurs qui m'ont invité à faire cette présentation. Alors je vais revenir juste sur mon parcours. Effectivement, l'ENS de Rennes n'existait pas, donc j'ai fait l'ENS de Cachan, on va dire. Et la mécatronique n'existait pas sous ce nom-là, donc j'ai fait ce qu'on appelait la physique appliquée, mais finalement, c'est les mêmes thématiques que la mécatronique. Et comme c'est un lieu de rencontre et que vous allez parler un peu des différents parcours, ce que je veux juste dire, c'est qu'effectivement, moi, j'ai commencé par une carrière, on va dire, un peu chercheur, en étant au CNRS, mais ce qui n'empêche pas après de garder cette fibre enseignant-chercheur, et j'ai basculé professeur après, et ce n'était pas l'opportunité d'aller à Bordeaux, puisque je suis partie à Bordeaux en tant que chercheur, et que c'est sur place que j'ai basculé professeur. OK, donc là aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'on fait à Bordeaux dans le domaine des microsystèmes, l'utilisation des microsystèmes pour faire de la détection chimique. Alors, j'ai prévu de faire deux parties. La première peut-être sera basique pour certains. Je ne sais pas trop ce que vous avez fait jusqu'à présent, comme je savais qu'il y avait un petit peu toutes les années qui étaient présentes. Donc, je vais présenter un peu les bases des microsystèmes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un microsystème et comment, classiquement, on l'utilise pour faire de la détection chimique. Et ensuite, la deuxième partie sera plus... dédié au fait, la façon dont on utilise les microsystèmes sur un projet qu'on a eu à Bordeaux avec des collègues d'autres laboratoires pour un peu détourner l'utilisation classique des microsystèmes et faire quand même de la détection chimique. Alors, première partie. Je ne peux pas mettre là, ça. Ouais. Non, ça sera peut-être plus simple. Enfin, je ne sais pas. C'est... Sauf si ça complique. Non, c'est... Merci Hamid. Donc première partie sur l'espèce de petit rappel sur les microsystèmes. Alors un microsystème, ça va comprendre des parties mécaniques et les structures de base, ce sont les poutres, les ponts et les membranes. Alors pour moi une poutre, c'est quelque chose qui est encastré que d'un côté, un pont des deux côtés et une membrane, on va dire, tout le tour. Donc on va pouvoir utiliser toutes ces structures basiques. Et le terme microsystème, donc pour micro-electromechanical system, veut dire qu'on va avoir des parties mécaniques, dont j'ai parlé, qui vont bouger, mais également des parties électroniques qui vont servir ou à bouger ou à avoir un signal qui indique comment a bougé la structure.
Et on va pouvoir utiliser ces dispositifs soit pour faire des capteurs, soit pour faire des actionneurs. Donc, soit pour faire une mesure, soit pour agir sur un système. Alors, le terme micro ne veut pas dire que le dispositif, le composant dont j'ai parlé, ne va pas être micrométrique. Ça pourra être centimétrique, millimétrique, mais en gros, à l'intérieur du... Donc, souvent, la puce sera centimétrique. L'élément dont je parle... La poutre, comme ça, sera millimétrique ou dixième de millimètre, mais il y aura à l'intérieur du composant une épaisseur, une dimension qui sera de l'ordre du micromètre ou de quelques dizaines de micromètres. Alors, j'ai parlé de possibilité d'actionner. Donc, ce qu'on entend par actionnement, ça veut dire qu'on va faire bouger la structure et pour ça, on va utiliser un signal électrique. Je détaillerai ensuite comment on peut le faire, mais il y a différents moyens d'actionnement qui sont utilisés dans les microsystèmes. Il y a l'actionnement électrostatique, l'actionnement piézoélectrique et également, par exemple, l'actionnement électrothermique. Donc, ça, c'est la façon dont on utilise l'électricité, l'électronique, on va dire, pour générer un mouvement. Il y a le contraire qui va être utilisé pour l'aspect capteur. On va vouloir détecter des mouvements mécaniques qui contiennent l'information pertinente pour nous et on va vouloir la transformer en signal électrique. Et ça peut se faire par des mesures liées à des mesures de capacité, des mesures de résistance, donc de piézo-résistance, puisqu'on va avoir l'information mécanique contenue dans la résistance. Et on pourra aussi utiliser la piézoélectricité. Alors, je vais me focaliser un petit peu sur l'utilisation qu'on fait des microsystèmes pour faire de la détection chimique. Donc, une structure, toutes les structures ont une certaine fréquence de résonance. Si sur cette structure, donc là, la structure dont je parle, en gros, ça peut être une poutre millimétrique de silicium, un petit morceau de silicium qui peut vibrer, qui a une certaine fréquence de résonance. Si on dépose sur cette structure ce qu'on va appeler une couche sensible, donc une couche qui va être là pour sorber de façon sélective l'espèce que l'on veut détecter, par exemple, ben le simple fait que des molécules rentrent dans cette couche, donc là c'est celle que j'ai mis en la petite partie rose que j'ai mis au bout de la poutre, le fait que des molécules viennent se sorber dans cette couche sensible, ça va modifier la masse de la structure, donc augmenter sa masse, donc diminuer sa fréquence de résonance. Donc ça, c'est l'utilisation classique qui est faite des microsystèmes pour faire de la détection chimique, et on parle de mode dynamique puisqu'on utilise la fréquence de résonance. Il existe un autre mode qui est le mode statique. Le simple fait que les molécules rentrent dans la structure va générer des contraintes au niveau de l'interface et des contraintes et des élongations au niveau de l'interface entre la couche sensible et la poutre. Donc, ça va générer une courbure statique de la structure qui sera une image de la présence des molécules. Alors, juste pour illustrer ça, là, ce ne sont pas des simulations, ce sont vraiment des mesures qui ont été faites sur des poutres. Vous avez les dimensions en bas, en silicium, 200 microns de long, 45 de large et 5 microns d'épaisseur. Des poutres qui ont été fabriquées par un collègue, une équipe de Georgia Tech, et j'ai juste une petite pensée pour lui. Ce collègue est décédé il y a 15 jours, un grand monsieur des microsystèmes, Oliver Brandt. Donc, ces dispositifs, on les avait testés à Bordeaux. Et là, c'est juste des mesures de vibration faites sous un vibromètre. Donc, comme vous pouvez voir, ces structures ont plusieurs modes de vibration. Le premier mode, en flexion, deuxième mode. Et en dessous, vous voyez la torsion qui est possible. Vous pouvez voir aussi dans les fréquences de résonance, elles sont élevées. L'actionnement, là, c'est électrothermique. Ça veut dire qu'en gros, on a une résistance à l'encastrement de la poutre qui, quand on va faire passer un courant, va un peu chauffer l'encastrement, donc va mettre en mouvement la structure. Et dans les microsystèmes, la grosse particularité des microsystèmes, comme on a réduit beaucoup les dimensions, le rapport surface-volume devient très grand. Et donc, quand on chauffe une structure, on la chauffe, et normalement, on ne sait pas refroidir une structure par un courant, mais le simple fait qu'il y ait beaucoup de surface, elle va se refroidir naturellement très rapidement, donc on peut utiliser cet actionnement à des fréquences, vous voyez, qui sont très élevées, puisqu'on a des fréquences de l'ordre du mégahertz qui sont possibles. D'autres exemples, donc là, de vibrations dans le plan. Donc, les premières étaient des vibrations qu'on appelle hors plan, et là, vous voyez que la structure, on peut... en choisissant bien l'actionnement, les faire bouger
dans le plan. Et vous voyez aussi qu'on peut avoir des géométries diverses et variées. Quand j'ai dit poutres, membranes, bah, elles peuvent avoir des géométries assez variées. Donc là, ce sont des exemples de mesures possibles dynamiques. Et là, je vous ai mis juste un exemple d'une mesure statique. Donc là, c'est une poutre sur laquelle on a mis une couche sensible qui se gonfle en gros à l'humidité. Donc l'humidité, quand il y a de l'humidité dans l'air, l'eau, des molécules d'eau rentrent dans la couche sensible et vous voyez qu'en fonction du taux d'humidité, on obtient une courbure de la poutre, donc une courbure statique comme je vous ai présenté au tout début. Donc là, ce sont des exemples de réalisation. Maintenant, je vais un peu plus détailler comment on peut faire bouger ces structures que je vous ai montrées pour les premiers cas, pour l'actionnement, pour les mesures dynamiques. Donc, pour faire bouger la structure, plusieurs possibilités. On peut mettre la structure sur une céramique piézoélectrique. Donc, la piézoélectricité, quand on applique un champ électrique, on va faire vibrer la structure. Donc, par inertie, ça va faire vibrer la poutre. Une autre possibilité, donc c'est la couche jaune que j'ai mise sur la structure, c'est de mettre directement cette couche piézoélectrique sur la structure. Et donc, là, en mettant un signal électrique, on va générer la vibration de la poutre. Une autre possibilité, c'est de mettre une piste sur la structure, donc dans lequel on fait passer un courant I. Si on fait passer un courant alternatif en présence d'un champ magnétique, donc par exemple on met un aimant, on va avoir la structure qui par la force de Lorentz va vibrer à la fréquence du courant qu'on a fait passer sur la structure. Donc c'est l'actionnement électromagnétique. Une autre possibilité, c'est l'actionnement électrostatique. Si sous la structure on met une électrode, si on applique une tension entre la poutre et l'électrode qui est dessous, on va avoir un champ électrique qui va générer une force électrostatique et qui va attirer donc la structure. Donc on va aussi pouvoir mettre en vibration la structure par force électrostatique. Et enfin, les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure en vidéo, c'était l'actionnement électrothermique. Donc en mettant juste une zone, une résistance à l'encastrement de la structure, en faisant passer un courant dans cette résistance, par effet Joule, ça va chauffer. Et donc, localement, on va avoir des échauffements, donc des mises en vibration, des contraintes qui vont être générées, donc des mises en vibration de la structure. Donc, c'est l'actionnement électrothermique. Enfin, parfois, il est utilisé aucun actionnement, on va dire, voulu. Le simple fait que la structure soit dans l'air, le mouvement brownien des molécules autour de la structure va générer des vibrations très très petites, mais qui peuvent permettre de mesurer les fréquences de résonance si on analyse la vibration de la structure de façon qu'elle est l'agitation naturelle de la structure. Donc ça, c'était pour les aspects, comment on peut mettre en vibration la structure. Ensuite, comment est-ce qu'on mesure le mouvement de cette structure? On peut le faire comme c'est fait dans les AFM, donc les microscopes à force atomique. On envoie un faisceau laser sur la structure. Ce faisceau laser est dévié, va sur un photodétecteur. Et bien sûr, quand la structure penche, le faisceau laser va aller à un autre point du photodétecteur. Donc, on a une image de la position de la poutre juste en regardant le signal, en analysant le signal reçu sur le photodétecteur. Une autre façon, c'est d'utiliser la couche piézoélectrique dont j'ai parlé pour l'actionnement. Cette couche, la piézoélectricité, il y a l'effet direct et l'effet inverse. L'effet direct, c'est que mécaniquement, s'il y a un changement mécanique, ça va générer un changement électrique. Donc là, on va utiliser, quand on va vouloir faire de la mesure, plutôt l'effet direct. Le fait que la structure vibre, ça va nous générer, aux bornes de cette couche piézoélectrique, un signal électrique qui sera image de ce mouvement. Ensuite, j'avais parlé de l'actionnement électromagnétique. On peut également faire une détection électromagnétique. Si on a un champ magnétique, par exemple, avec un aimant, le fait d'avoir une piste sur la structure, le fait qu'on ait le mouvement d'une boucle dans le champ magnétique, ça va générer une tension induite. Et de la même façon qu'on pouvait actionner électrostatiquement, le fait d'avoir une électrode en face de la structure, c'est deux électrodes face à face, c'est un condensateur. Si une des électrodes bouge, la valeur de ce condensateur va changer. Et donc, si on a un montage électronique qui permet de mesurer cette capacité, on va pouvoir avoir une image du mouvement de la structure. Et enfin, dernier exemple montré ici,
si on dope le silicium, on va avoir une résistance qui va évoluer en fonction des contraintes mécaniques de la structure. Donc, c'est ce qu'on appelle une piézo-résistance. Et donc, quand la structure va vibrer, la résistance va changer. Si on a un montage électronique qui permet de mesurer cette résistance, on va avoir une image du mouvement. Donc, comme je vous ai montré, on peut actionner électroniquement et on peut avoir un signal électrique qui nous donne une image de la mesure, de la vibration. Du coup, on fait des mesures classiques de gain phase entre le signal d'actionnement et le signal de détection quand on veut faire de la mesure dynamique dont j'ai parlé au début. Et on va avoir des signaux de ce type avec un spectre avec un maximum qui va dépendre de la résonance et un saut de phase à la résonance, tout comme vous avez peut-être, je ne sais pas si vous êtes plus familier avec l'électronique ou la mécanique, mais en électronique, un circuit résonant, on va avoir ces formes de courbes. Donc, on va définir la résonance et aussi le facteur de qualité, donc la largeur du spectre, pour quantifier en gros les pertes dans le dispositif. Alors, qu'est-ce que l'on veut ? Qu'est-ce qui va être important pour faire de la détection chimique ? Pour faire de la détection chimique, on veut détecter une seule espèce chimique et pas les autres. Donc, on veut avoir un signal en présence d'un analyte 1, mais pas de signal si on a un autre gaz présent. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler la sélectivité. Si on veut faire une détection d'hydrogène, il ne faut pas que s'il y a de l'hélium, que le capteur donne aussi une réponse. L'autre point important, c'est la réversibilité. Si on augmente la concentration, par exemple, d'hydrogène et qu'on la rediminue, il faut que les points repassent par la même courbe de départ. On veut éviter tout ce qui est hystérésis dans les signaux. Donc, on va vouloir plutôt la première courbe. C'est ce qu'on va appeler, on va dire que le capteur est réversible si quand on lui donne la même entrée, il redonne la même sortie, quel que soit ce qui s'est passé avant. Un autre point important, c'est avoir un capteur sensible. Alors, un capteur sensible, ça veut dire qu'il donne un grand signal pour une entrée donnée. Donc, pour une concentration donnée, on préfère avoir un grand signal électrique plutôt qu'un petit signal électrique. Ça, c'est pour avoir un bon rapport signal sur bruit et une bonne limite de détection. Donc, la limite de détection, c'est la plus petite quantité de gaz qu'on va pouvoir, par exemple, détecter. Bien sûr, si un capteur est plus sensible à bruit donné, on va avoir une meilleure limite de détection. Donc, on va préférer la première courbe. Alors, pour garantir ces propriétés importantes de capteurs chimiques, on va voir que ça a un lien avec ce que j'ai présenté comme étant la couche sensible. Donc, la couche sensible, je vous rappelle, c'est une couche. Souvent, ça sera par exemple du polymère qu'on va poser sur la structure. Et son rôle va être de sorber de façon sélective l'espèce que l'on veut détecter. Donc là, dans mon cas, on veut me détecter les molécules bleues. Il ne faut pas que les molécules vertes pénètrent dans la couche pour qu'ils soient sélectifs. Donc la sélectivité, c'est vraiment la couche sensible qui va le donner en sorbant une espèce et pas l'autre. L'autre propriété dont j'avais parlé, c'est la sensibilité. Donc pour qu'un capteur soit sensible, il faut que quand les molécules rentrent dans cette couche, ça modifie bien une des propriétés physiques. Donc, par exemple, j'avais parlé de la masse, donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup de molécules qui rentrent dans la couche pour avoir une grande variation de masse et une grande sensibilité. Ensuite, j'ai parlé de la réversibilité, le fait qu'on ne veuille pas avoir d'hystérésis, ça va être un compromis. Vous voyez bien que si on veut que les molécules viennent, on va vouloir une grande interaction avec la couche sensible, mais si on a une trop grande interaction, quand dans l'air les molécules vont partir, les molécules elles vont rester piégées dans la couche sensible. Donc ça va risquer d'avoir un capteur non réversible si les molécules rentrent dans la couche et une fois qu'elles sont rentrées, si elles ne peuvent pas ressortir quand le gaz autour il est reparti. Donc là, ça va être un paramètre important. On va avoir un peu un compromis entre sensibilité et réversibilité. Et c'est la couche qui va déterminer un petit peu tout ça, la couche sensible. Alors, comment est-ce qu'on choisit la couche ? Alors, il y a plusieurs couche possible. Je vais parler du polymère, mais par exemple pour l'hydrogène, le palladium, l'hydrogène aime beaucoup le palladium, on va dire. Donc une couche de palladium va être une bonne couche sensible pour l'hydrogène. Mais de façon générale, souvent les polymères permettent de faire des détections sur plusieurs gaz. Donc là, je vous ai montré comment est-ce qu'on choisit la couche que l'on va mettre sur la structure.
On va regarder le coefficient de partition, qui est le rapport entre la concentration dans la couche du gaz que l'on veut détecter sur la concentration dans l'air qui est autour. Donc, on veut avoir un bon coefficient de partition pour l'espèce qu'on veut détecter et, si possible, un coefficient de partition quasiment nul pour les autres espèces pour assurer la sélectivité. Et plus le coefficient de partition sera grand, plus on aura une sensibilité importante. Donc là, je vous ai mis sur la structure une... Alors, je ne sais pas si on peut voir le pointeur. Que vous voyez mon pointeur? Non. Ok. Alors, donc là, vous voyez que je vous ai mis les coefficients de partage pour un seul polymère et pour différentes espèces. Donc, vous voyez que ce polymère, il sera bien pour détecter un butanol, par exemple, il aura une bonne sélectivité vis-à-vis des autres. Par contre, si on veut détecter le chloroforme, ben on voit qu'il a une sélectivité, il ne sera pas très sélectif vis-à-vis de l'isopropanol, par exemple, et du toluène. Donc, ce genre de diagramme va aider à choisir la couche sensible. Alors, pour illustrer mon propos, je vous ai mis juste là un exemple de détection fait avec une poutre en silicium. Donc là, vous voyez qu'on est dans des dispositifs, par exemple, millimétriques, mais peu importe, c'est juste la courbe que j'ai prise là. Donc, c'est aussi pour vous montrer que ce n'est pas parce qu'on parle de microsystème que tout est micrométrique. Donc, une poutre en silicium de 5 mm de long, 1 mm d'épaisseur, 60 microns, 1 mm de largeur, 60 microns d'épaisseur, et vous avez des exemples de détection. Donc là, on a mis de l'azote et on a mis une certaine concentration de toluène. Vous voyez que la fréquence de résonance diminue puisque la masse de la structure augmente. Ensuite, on remet de l'azote pour vérifier que tout se passe bien. Et là, ça permet de montrer la réversibilité et on peut voir aussi les constantes de temps des capteurs. On remet du toluène, un petit peu moins. Le shift est plus petit. On revient de l'azote, c'est réversible. Donc là, vous voyez la réversibilité. Vous voyez les constantes de temps qui sont relativement rapides. Et par contre, on voit une petite dérive qui est liée, dans ce cas-là, certainement à l'évolution de la température. Donc là, c'est un exemple de détection qu'on peut avoir. Alors, je n'ai pas parlé vis-à-vis des dimensions. Je ne sais pas si vous êtes familier avec justement les microsystèmes. Souvent, ce qu'on dit, pour avoir une idée, parce que quand on dit micrométrique, on se dit c'est tout petit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je prends souvent l'exemple d'un cheveu. Un cheveu, le diamètre d'un cheveu, c'est 50 à 100 micromètres. Donc, ça vous donne une idée. Quand vous voyez des longueurs ou des largeurs, ben, ça vous... en gros, c'est un petit bout de cheveu, un bout de cils, ou voire des fois beaucoup plus petit. Donc, ça vous donne un peu une idée des dimensions. Alors, je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails, mais comment sont fabriqués les microsystèmes en silicium? Ben, c'est la même chose, les mêmes moyens de fabrication que les moyens de fabrication des composants de microélectronique. Donc, on a des masses, c'est une fabrication collective, on dépose des couches, on peut doper des couches, on utilise la photolithographie. Pour faire un microsystème, il va falloir ajouter des étapes qui vont servir à graver les structures. Parce qu'en fait, en microélectronique, on empile des couches, on leur donne des propriétés différentes, mais... Vu ce que je vous ai montré, il va falloir que ça bouge, donc il faut ce qu'on appelle libérer des structures, il faut pouvoir découper des structures et qu'elles puissent vibrer et bouger. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler de la gravure, on va libérer des structures, donc on rajoute certaines étapes. Donc ça, c'est pour la techno-silicium, mais bien sûr, on peut aussi faire des microsystèmes avec d'autres matériaux, par exemple en polymère, donc j'en parlerai un petit peu peut-être à la fin, mais à Bordeaux, justement, comme l'a dit Martin, on fait des MEMS en polymère, donc on peut, et là c'est d'autres technologies de fabrication qui sont utilisées, et bah, du coup on peut utiliser le spray aussi, la sérigraphie, il n'y a pas que les moyens standards de fabrication microsystème silicium qui existent. Alors, je vais quand même présenter les deux grandes catégories de fabrication des microsystèmes en silicium. Il y a ce qu'on appelle le micro-usinage de volume. Donc, on fait la structure dans le volume du wafer. Donc là, c'est une vue en coupe. Et alors, souvent, on utilise des wafers SOI. Donc, c'est une couche de silicium sur une couche d'oxyde et avec le support silicium. Et quand on achète un wafer SOI, on a cette épaisseur de silicium qui est connue dès le départ. Donc, par exemple, un SOI 20 microns.
On va faire des gravures d'un côté, face avant, gravure face arrière. Ensuite, on enlève l'oxyde qui sert en fait de limitation de la gravure. Et vous avez ici le résultat final qui est une poutre qui est suspendue, mais qui a été fabriquée dans le substrat de départ. Donc ça, c'est le micro-usinage de volume. On peut aussi faire des microsystèmes en micro-usinage de surface. Donc là, ça veut dire qu'on va fabriquer le microsystème à la surface du wafer. Donc là, du coup, on n'a pas besoin d'avoir un wafer très sophistiqué du type SOI. C'est juste, par exemple, un wafer de silicium qui sert de support. Et on va empiler des couches, dont une couche qu'on va retirer à la fin pour libérer la structure. C'est ce qu'on appelle la couche sacrificielle. Elle est sacrifiée, en gros, à la fin. Donc c'est la première couche ici. La couche jaune, on la met que sur une zone. Ensuite, on dépose une autre couche, donc par exemple du polysilicium. Et à la fin, on enlève, par une attaque chimique par exemple, on enlève la couche qui est dessous et on a la poutre qui est fabriquée au-dessus du wafer, donc en surface du wafer. Donc, c'est les deux grandes catégories de fabrication des microsystèmes, on va dire, classiques. Alors, je ne sais pas si je vais... S'il y a des questions, si c'est à peu près clair, je vais enchaîner sur la suite. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on a fait, entre autres, sur un projet à Bordeaux qui n'utilise pas du tout ce que je vous ai montré, qui va détourner, qui ne va pas utiliser la couche sensible, mais c'était important de savoir un peu le contexte. On va quand même utiliser les microsystèmes tels que je vous les ai montrés, mais on va supprimer la couche sensible. Alors, ce que je vais vous présenter, donc moi, je viens de Bordeaux, d'un laboratoire qui est très gros. On est à peu près 400 au total. Alors, ça fluctue entre 350 et 450. Et on travaille, donc le laboratoire, il s'appelle IMS pour intégration du matériau au système. Donc, il y a des groupes qui travaillent plus sur les matériaux, d'autres sur les composants, d'autres sur l'électronique, d'autres sur l'automatique. Donc, ça couvre vraiment un spectre très large, le traitement du signal, la cognitique, la bioélectronique. Moi, je suis dans le groupe qui est tout en bas. Alors, je précise juste, j'en ai été responsable jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais j'ai passé le relais à une collègue, Laurence Vigneault. Et ce groupe est constitué de deux équipes, une plus sur l'électronique organique, j'en reparlerai à la fin, et une plus sur les microsystèmes imprimés. Donc, moi, je suis dans l'équipe PRIMS. Alors, le projet dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est un projet qui s'appelle H2MEMS, qui est lié au fait qu'en France, il est prévu que les déchets radioactifs à longue durée de vie soient enterrés sous terre, à 500 mètres sous terre, dans un site qui est identifié dans la Meuse. Dans ce site, dans ce stockage, il va y avoir entre autres des métaux et avec des risques de dégagement d'hydrogène, entre autres liés à la corrosion des métaux, mais pas que. L'hydrogène n'est pas dangereux en tant que tel, sauf quand on dépasse le seuil de 4%, en gros, en présence d'oxygène. Donc, bien sûr, il va falloir contrôler la présence d'hydrogène. Il y a des systèmes de ventilation qui sont prévus, mais il faut suivre régulièrement l'évolution d'hydrogène pour mettre en place les systèmes de ventilation si nécessaire. Compte tenu de l'application, il va falloir que ça dure, que les capteurs ils soient fiables sur une durée très longue donc, et qu'ils puissent fonctionner en présence de radiation. Donc, l'objectif de ce projet, c'était de développer et d'optimiser des capteurs d'hydrogène. On a proposé d'utiliser des MEMS résonants dont je vous ai parlé, donc des MEMS en mode dynamique. Mais les contraintes, comme je viens de le dire, l'environnement est hostile, il y a des radiations. Et il va falloir que ça fonctionne, que ça soit fiable sur de nombreuses années. Il n'est pas question d'aller sur site, changer un capteur, intervenir, réétalonner, etc. Donc nous, ce qu'on a proposé, c'est de faire des sections chimiques, mais sans interaction du tout chimique, et de mesurer les propriétés physiques du gaz. Donc les propriétés physiques du gaz, ça peut être la viscosité du gaz, la masse volumique du gaz, la vitesse de propagation du son, l'atténuation du son. Donc, il y en a d'autres, mais là, c'est ceux qu'on a regardés. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de couche sensible, et c'est souvent elle qui pose problème sur le long terme, parce que comme je vous l'ai dit, les molécules, elles rentrent, elles ressortent, il faut que ça soit réversible, mais elles vieillissent en gros dans le temps. Donc, c'est là que la fiabilité pêche un petit peu sur le très long terme. Donc, l'avantage, c'est qu'on enlève ce qui pose problème.
L'inconvénient, c'est qu'elle servait quand même à quelque chose, cette couche sensible, et entre autres à la sélectivité dont je vous ai parlé. C'était ça qui permettait de discriminer différents gaz. Donc nous, notre challenge, ça a été de réussir à faire de la discrimination entre différents gaz et que ça fonctionne sur le long terme. Donc c'est de réussir à faire une forme de sélectivité, mais je ne vais pas l'appeler sélectivité, c'est de discriminer, qu'on puisse dire c'est tel gaz qui est arrivé ou celui-ci, mais qu'on ne se mélange pas. Si un gaz arrive, qu'on ne dise pas que c'en est un autre. Alors pour ça, on a travaillé avec des collègues du LAS à Toulouse, du Gréement à Tours et du CREA à Nice. Alors le LAS et le Gréement, ils sont spécialistes, entre autres, ceux qui ont travaillé avec nous, avec la fabrication des MEMS en silicium pour le LAS. Des CEMUT, donc je vais expliquer ce que c'est. Donc c'est des membranes résonantes capacitives. À Tours et le Nice, le laboratoire de Nice est spécialiste dans la mise en œuvre du matériau, le carbure de silicium, qui sera important entre autres pour les radiations. J'en reviendrai sur ce point ensuite. Pour ça, on a eu un financement de l'ANDRA dans le cadre des projets investissement d'avenir. Alors, le principe de départ, c'est de se dire les propriétés physiques des gaz dépendent du gaz. La masse volumique, vous voyez là, vous avez la masse volumique de l'air, la masse volumique de l'hydrogène. L'hydrogène est beaucoup plus léger que l'air. Viscosité, il y a un petit peu d'écart. La vitesse du son, gros écart. La vitesse du son dans l'air, c'est 340 en gros. Dans l'hydrogène, c'est 1300. Donc, on voit qu'on peut différencier l'air et l'hydrogène. Et puis, on a d'autres gaz qui ont d'autres valeurs. Donc, on devrait pouvoir un peu se servir de toutes ces données pour savoir quel gaz est présent. Par contre, vous voyez par exemple ici que l'hélium, il ressemble quand même beaucoup à l'hydrogène au niveau des différentes caractéristiques. Alors, le point de départ, c'est si on regarde juste les valeurs théoriques de la masse volumique en fonction de la viscosité. Donc, sur ce graphe, c'est juste des valeurs théoriques. Je vous ai tracé les variations relatives quand on a de l'azote. Donc, le 0,0, c'est on a que de l'azote. Et ensuite, dans l'azote, on met, par exemple, de l'hydrogène, 1%, 2%, 3%. Si on met de l'hélium, 1%, 2%, 3%, on se déplace ici, etc. Donc, vous voyez que les gaz plus légers que l'azote sont en dessous du zéro, les gaz plus lourds au-dessus. Et ensuite, la viscosité va dire si on va plutôt à gauche ou plutôt à droite. Donc là, juste pour... je vais l'expliquer après. Donc là, on voit qu'on peut... On va pouvoir discriminer. Si on arrive à faire la mesure précise de ces deux paramètres, on pourra dire, par exemple, si on a des points qui vont dans ce secteur-là, on dira c'est de l'hydrogène. Et du coup, suivant la position verticale, on pourra donner la concentration. Si on est par ici... On dira c'est de l'hélium et on pourra dire la concentration. Donc, il y a un moyen de séparer, par exemple, hélium et hydrogène avec la mesure de la viscosité, entre autres. Alors, comment est-ce qu'on a fait ça? On a fait ça avec des poutres en silicium, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, on a utilisé l'actionnement électromagnétique. On voit la piste conductrice en bordure de poutre et un demi-pont avec des piézo-résistances. Un demi-pont de Weston avec des piézo-résistances sur la structure pour faire la mesure du mouvement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. À partir de ça, on a mesuré la fréquence de résonance. Donc, vous voyez, alors les points en bleu, c'est on a de l'azote, on met de l'hydrogène, comme tout à l'heure, 5%, on remet de l'azote, on revient au point de départ, 4%. Donc là, on revoit la réversibilité. Là, les mesures sont quasiment instantanées puisqu'on n'a pas de diffusion dans une couche sensible. Ensuite, même chose avec l'hélium, même chose avec le dioxyde de carbone, même chose avec le méthane. Et on mesure de façon simultanée le facteur de qualité. Donc, vous voyez qu'on peut mesurer ces deux paramètres. Alors là, quand on voit que pour l'hélium et l'hydrogène, le principe, c'est, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est que c'est un peu, alors je ne sais pas si vous faites des fêtes avec des ballons à l'hélium. Quand vous parlez dans un ballon à l'hélium, vous avez une voix, les hommes ont des voix de femmes, etc. Toutes les fréquences partent dans les aigus. Et ben, c'est le même principe là, c'est votre corde vocale qui vibre. Et le fait que le gaz, l'hélium, soit plus léger que l'air, vous avez la fréquence qui augmente. Ben là, c'est pareil. Vous voyez que l'hydrogène et l'hélium, la fréquence augmente. C'est le même phénomène. C'est la fréquence de résonance de la structure.
Par contre, vous voyez que quand on regarde fréquence de résonance et facteur de qualité, on a l'impression qu'on a un peu deux fois la même mesure, les courbes se ressemblent beaucoup. Mais avec un traitement, en supposant, donc c'est toujours des petites variations, en supposant en linéarisant, on voit qu'on peut dire que la variation relative de fréquence, elle dépend de la variation de la masse volumique et de la variation de la viscosité. Facteur de qualité aussi. Donc, il nous faut quatre coefficients à déterminer, qu'on peut déterminer avec deux gaz et deux concentrations, par exemple. Et une fois qu'on a fait ça, les mesures que je viens de vous présenter, si on a ces quatre coefficients, en gros par étalonnage, on va pouvoir déterminer la masse volumique et la viscosité du gaz de façon simultanée. Et là, du coup, vous voyez qu'on peut séparer, on voit des choses différentes qui apparaissent entre les courbes bleues et les courbes rouges, donc entre l'hydrogène et l'hélium. Masse volumique, ben ça se ressemble, c'est normal d'après ce qu'on avait vu, mais par contre, la viscosité, vous voyez qu'on a des écarts importants et qu'on va pouvoir faire la différence. Et je vous rappelle que sur la courbe théorique, la viscosité de l'hélium était quasiment sur le zéro, donc alignée avec l'azote. Ben là, c'est ce qu'on retrouve, on n'a en gros pas de signal, alors qu'on avait une variation pour l'hélium. Donc si je remets ces points sur les courbes théoriques de départ, donc, vous avez deux points qui sont complètement confondus avec la théorie. C'est normal, c'est les deux points qui nous servent d'étalonnage. Et ensuite, tous les autres points, vous voyez qu'ils sont dans les bonnes zones, dans les bons secteurs. Alors, il y a un petit décalage sur la viscosité, mais parce que c'est quand même des variations très, très petites de viscosité. Mais on peut, suivant l'endroit où est le point de mesure, on va pouvoir dire c'est tel gaz ou tel gaz. Et ensuite, suivant la hauteur du point, on va donner la concentration. Donc, vous voyez qu'avec cet exemple, on s'est affranchi de la couche sensible, on arrive à faire de la discrimination et de la détection de gaz. Bien sûr, c'est moins sensible que quand on met une couche sensible. Les variations qu'on a à mesurer, alors je ne suis pas rentrée dans le détail de l'électronique de mesure et du traitement, mais c'est-à-dire qu'on arrive à mesurer des variations très petites de fréquence de résonance. Automatiquement, c'est moins sensible, donc la limite de détection sera moins bonne que les capteurs classiques. Mais là, on a fait des tests, justement, de limite de détection, et vous voyez que sur des petites concentrations d'hydrogène, on arrive à les détecter. Là, on se rapproche, on commence à voir le rapport signal sur bruit qui est faible quand on a des faibles concentrations. Donc ça, c'était le premier exemple que je voulais vous montrer. Le deuxième exemple utilise un autre microsystème. Les CMUT, donc pour Capacitive Micro Machine Ultrasonic Transducer, donc des petites membranes que l'on fait vibrer, donc c'est utilisé aussi en échographie par exemple. Donc là, ce que vous voyez, c'est la puce, donc en gros centimétrique. Sur cette puce, il y a 4 ou 5 barrettes, on appelle ça des barrettes de capteurs, et là vous avez une barrette, donc deux électrodes, une électrode en bas, une électrode au-dessus, et des petites membranes qui vont vibrer. Les membranes qui vibrent, elles font 30 microns de côté. Donc, vous avez des milliers de membranes qui vibrent de 30 millions microns de côté. Donc, je vous rappelle, diamètre du cheveu, 50 à 100 micromètres. Donc, plein de membranes qui, on va faire bouger par actionnement électrostatique et on va mesurer le mouvement en mesurant la capacité entre les deux électrodes, donc mesure capacitive. Première utilisation qu'on en a faite, donc ce réseau de membranes, les membranes qui vibrent, ça génère une onde acoustique dans le gaz. On met une autre puce de CMUT en face, l'onde va arriver au bout d'un moment sur ce second capteur. Alors les distances D entre les deux, là les mesures que j'ai, je crois que c'est 7 ou 8 mm, donc elles sont assez proches toutes les deux. On reçoit l'onde et du coup ça fait vibrer. C'est comme si c'était un micro et un haut-parleur micro, en gros. On reçoit l'onde et on va mesurer le temps que met l'onde pour parcourir cette distance. Si on connaît la vitesse, si on connaît la distance, on va en déterminer la vitesse. Donc là, vous avez l'écho qui part, l'écho qui est reçu une fois que ça a fait un aller. Puis en fait, après, il y a des réflexions multiples, puis il y a des allers-retours. Donc vous voyez, deuxième écho avec deux allers-retours, un autre aller-retour, etc. Donc si on mesure le temps entre les deux différents échos, on va pouvoir déterminer la vitesse. À nouveau, deux exemples pour un hydrogène et dioxyde de carbone. Et là, vous avez les vitesses. Donc, il y en a qui sont, par rapport à l'azote, plus lentes et plus rapides. Je vous l'avais signalé pour l'hydrogène. Et du coup, on peut mesurer
on peut déterminer la vitesse et on a comparé ça avec la courbe théorique en fonction de la concentration et on retrouve bien une bonne mesure de la vitesse de propagation du son dans le gaz. Alors ça c'est bien, mais au niveau du signal sur bruit, ce n'était pas forcément optimal. Donc on a préféré faire des mesures en fréquentiel. Donc on peut faire exactement la même mesure et on va rajouter une donnée en envoyant, au lieu d'envoyer un pulse, enfin une onde, un pulse, on envoie un signal sinusoïdal en continu. Il se propage, il est reçu ici. Le temps que met l'onde pour arriver, on l'a dans la phase. Donc ce qu'on appelle le temps de vol, il est contenu dans la phase du signal reçu. Et en plus, vous voyez que l'onde, elle s'atténue à cause du gaz, l'amplitude. Si on mesure l'amplitude, on va avoir la mesure de l'atténuation. Donc à nouveau, on a deux informations qui sont contenues dans notre signal électrique. Des mesures, donc là je ne rentre pas dans les détails, ça se ressemble, c'est toujours, on vérifie que c'est réversible, on vérifie que quand on change la concentration, le signal change. Là c'est le temps de vol pour les différents gaz, on a encore ceux qui vont plus vite que l'azote, ceux qui vont plus lentement que l'azote. Et là il y a beaucoup moins de bruit que dans les signaux précédents temporels. Atténuation, on peut la mesurer aussi, et là vous voyez on va faire la discrimination, mais le capteur est déjà sélectif par le choix de la fréquence. Parce que là, vous voyez qu'en gros, là, on peut considérer qu'on n'a pas de signal et qu'on a un très bon signal avec l'hydrogène. Donc, on a une forme de sélectivité juste en regardant l'atténuation. Mais par contre, ça dépend de la fréquence. Le choix de la fréquence, là, il était bien pour l'hydrogène. Si on met tous ces points de mesure de la même façon que je vous avais montré, masse volumique, viscosité dans un plan. Là, on a mis temps de vol, atténuation, pareil, dans un plan, avec ici l'azote. Deux gaz différents, donc là, le méthane et le dioxyde de carbone, et l'hydrogène. Alors nous, les choix étaient bien pour l'hydrogène, notre application, c'était de détecter l'hydrogène, mais on peut choisir des fréquences différentes si on veut détecter d'autres gaz. Et là, on voit qu'en plus, on a une information supplémentaire. Si on change la fréquence, on augmente la sensibilité et on doit pouvoir aussi trouver d'autres informations sur l'évolution en fonction de la fréquence des différents paramètres. Donc, à nouveau, on peut faire de la discrimination des différents gaz. Pour conclure, alors, les MEMS, c'est de la mécatronique à petite échelle. Vous avez l'électronique, la mécanique, comme la mécatronique, c'est ce que je vous ai montré au tout début. C'est des sciences de l'ingénieur, c'est interdisciplinaire, et pas que seulement électronique et mécanique, parce que vous voyez, on peut aller avoir besoin de chimie, on peut avoir besoin de mécanique des fluides, on peut avoir besoin de plein de choses. Ça peut répondre à plusieurs applications. Et puis, il y a toujours de l'innovation possible. Vous voyez que là, je vous ai montré classiquement comment étaient utilisés les MEMS et je vous ai montré qu'on peut les utiliser complètement différemment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après ce projet? Donc, on a obtenu des financements pour différents projets, le projet Mignon et le projet Resist. On va continuer à travailler sur ces thématiques, sur différents points. Au niveau des composants, je ne suis pas rentrée trop dans les détails. Ce que je vous ai montré, c'est la preuve de concept qui a été faite sur des composants en silicium. Vu l'application, il va falloir que ça tienne les radiations. Donc, on va travailler avoir les mêmes composants en carbure de silicium et en diamant. Alors, ça va être bien pour l'application. Par contre, bien sûr, du point de vue technologie de fabrication, il faut faire avancer la technologie pour être sûr de savoir fabriquer ces composants avec actionnement détection intégrée. On va travailler aussi sur le fait de consommer moins d'énergie au sens où l'actionnement que je vous ai montré, c'était pour les poutres, c'était électromagnétique, donc il y a du courant. Mesure piézo-résistance, donc il y a du courant, donc il y a de l'effet joule, donc on consomme plus, on peut échauffer localement, donc on va plutôt passer tout en électrostatique comme pour les CMUT. On va miniaturiser l'électronique pour avoir ça au plus proche de la puce. Et là, les travaux qui commencent aussi, donc plus sur la partie IMS, on va étudier la fiabilité des microsystèmes, donc on a une thèse qui commence en septembre, et on a un postdoc pour lequel je cherche encore un candidat qui veut faire du traitement de données en utilisant des techniques de deep learning pour faire de la discrimination des gaz dans des mélanges complexes, parce que là je vous ai expliqué juste en mélange binaire pour expliquer avec les mains comment ça se passe. On peut aussi faire le traitement sur des mélanges plus complexes, et au lieu de séparer
deux données et deux données, mettre tout ensemble, mais c'est moins pratique. La quatrième dimension, je ne sais pas l'expliquer avec les mains comme ça, mais on peut tout combiner et du coup, vous pouvez avoir les mesures qui vont se compléter. Juste pour finir, je présente un tout petit peu ce qu'on fait au niveau du groupe organique. Donc le groupe organique, il y a deux parties, électronique organique et microsystème, on va dire organique, avec deux équipes, et l'orga et PRIMS. En gros, il y a trois domaines, le domaine de l'optique, le domaine de l'électronique et le domaine de la mécanique. Dans les microsystèmes, dans l'équipe PRIMS, les capteurs, c'est de transformer un signal mécanique en signal électrique. On travaille là-dessus. On travaille aussi sur des actionneurs. Donc, à partir de l'électronique, faire un déplacement mécanique. Et on fait aussi des travaux sur la récupération d'énergie mécanique en la stockant électriquement. Mais en gros, l'autre équipe, on travaille beaucoup avec eux, hein, ils font la même chose avec l'interaction entre l'optique et l'électronique. Leur capteur qui transforme le signal optique en signal électronique, c'est les photodétecteurs. Ils ont des diodes qui émettent de la lumière à partir d'un signal électrique, donc c'est l'équivalent en gros de nos actionneurs, et ils récupèrent le signal optique en signal électrique avec l'étude des cellules photovoltaïques. On a des travaux communs qui concernent de plus en plus l'utilisation de transistors. Je n'ai pas dit, mais on peut faire des mesures. La poutre que je vous ai mise en statique, en fait, c'est un transistor qui fait la mesure électrique avec une couche piézoélectrique au milieu. Donc, le transistor est un composant qu'on utilise un peu dans les deux côtés, organique, donc des transistors à effet de champ ou aussi des transistors électrochimiques pour faire de la détection biologique, par exemple. Juste pour finir, comme j'ai dit, on a une offre de postdoc pour le traitement des données de l'application dont je vous ai parlé. Et je me permets de faire la pub pour deux collègues du groupe organique qui sont encore en train de chercher des candidats de thèse dans le domaine de l'électronique organique, à chaque fois pour des cellules solaires. Alors il y en a un, c'est pour en gros protéger les cellules solaires en associant une diode de protection, on va dire une diode de protection sur chaque cellule solaire. C'est en collaboration avec le LAS pour les aspects caractérisation électrothermique, entre autres. Et un autre collègue qui travaille plus sur l'étude de la fiabilité des cellules en choisissant des couches, les deux couches qui sont critiques dans l'empilement qu'il y a dans les cellules solaires, pour les changer pour que ça soit plus fiable. Donc c'est les couches au niveau des interfaces en faisant des SAM et des nanoparticules sur ces deux couches. J'ai des sujets que je vais transmettre à vos encadrants et n'hésitez pas à venir vers moi si vous voulez des informations. Je suis là que jusqu'à la pause de cet après-midi, après je dois repartir. Mais on peut rester en contact. Et même dans les années à venir, là, c'est ce qu'on a à l'instant T. Si vous êtes intéressé par Bordeaux pour venir faire une thèse ou des travaux ou un stage, n'hésitez pas à faire passer l'info, à me contacter. Je transmettrai, pas forcément dans le domaine des microsystèmes, dans le laboratoire, je peux transmettre vers les personnes qui sont plus dans les champs qui vous intéressent. Pour finir, je remercie mes collègues du groupe et des autres laboratoires. Merci à vous. Alors, nous, on a une ligne. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que toutes les mesures sont faites dans ce qu'on appelle une ligne à gaz. Donc, on a possibilité de tout piloter pour faire des mélanges de gaz. Et on a des gaz en bouteille, en gros. Et c'est plus facile de trouver de l'azote en bouteille, dans un laboratoire, qu'un mélange d'air. Alors, on a fait les essais avec de l'air synthétique ou de l'air, mais les coûts ne sont pas les mêmes, etc. Donc, on fait avec l'azote parce que c'est plus simple. Tout s'applique. Alors, quand je dis des mélanges binaires, j'ai dit de l'azote, on rajoute autre chose. Ça va fonctionner si, au départ, l'air, c'est un mélange de gaz. Donc, on a de l'azote à 80%, l'oxygène qui se rajoute. Donc, on a les,
Les deux, ça fait un gaz de départ. Et après, on fait les variations, on rajoute un autre gaz. Donc, ce que j'ai présenté, ce n'est pas forcément des mélanges binaires, c'est un gaz de départ et un gaz, donc, qui peut être un mélange de gaz, et un gaz qui vient se rajouter. Donc, en gros, les applications qu'on vise là, donc, je vous ai parlé de l'application Andra, mais c'est aussi dans les sites industriels de détection de fuites de gaz industriels. En gros, tous ces gaz, ils sont en bouteille, le méthane, et on peut détecter si dans un environnement industriel, il y a une fuite d'un des gaz. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question sur... Oui. Du coup, si vous pouvez détecter qu'une fuite de gaz, imaginons qu'on soit dans un environnement avec un incendie ou avec des fuites radioactives, ça peut créer du coup augmenter la concentration de certains gaz et diminuer celle de certaines. Comment vous faites pour détecter du coup s'il y a une... Alors, il ne faut pas que tout évolue. Ce n'est pas une analyse de gaz. C'est s'il y a un changement, on peut dire rapidement quel est le gaz qui est venu. Mais en général, dans les environnements clos comme ça, la première étape, c'est le gaz apparaît. Le fait qu'un autre gaz s'en aille, c'est encore autre chose. Donc, on a un gaz de départ et on a apparition. Donc, ça ne résout pas tous les problèmes. Ce n'est pas une analyse de gaz. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas dire il y a de l'azote, il y a de l'hydrogène, il y a tout ça en même temps. On a un gaz de départ. Il y a une modification due le premier gaz qui arrive. On va pouvoir dire, voilà, il y a ce gaz qui est arrivé, ce qui s'est passé. Mais après, si... tout devient trop compliqué, donc c'est vraiment ciblé sur certaines applications. Et l'application de l'Andra, en gros, c'est un environnement clos, donc il n'y a pas grand-chose qui va sortir. Et a priori, ce qui va être dégagé, c'est de l'hydrogène. Donc voilà, donc il faut bien mettre... Enfin, je ne suis pas en train de faire la pub de ça pour dire ça résout tout. Ça résout dans certains cas, certaines applications... Mais après, on ne va pas pouvoir, par exemple, détecter des très, très faibles concentrations pour des gaz, je ne sais pas, il y a des applications pour détecter des gaz de combat, des gaz toxiques. Ben là, il faut des concentrations très, très faibles. Il n'est pas question d'utiliser la solution sans couche sensible. Donc, il faut vraiment cibler sur l'application. Voilà. Comment vous gérez le traitement, capteur ouais. Alors, là, pour le moment, c'est plutôt linéaire parce qu'effectivement, on est sur des petites variations. Les variations de fréquence de résonance, elles ne bougent pas beaucoup et donc on est dans des petites variations. Par contre, on va utiliser, alors dans le projet Régis, alors j'en ai pas parlé, on veut essayer d'utiliser justement les non-linéarités. Des non-linéarités pas forcément liées aux variations parce qu'on ne va pas avoir des grosses variations. Mais générer de la non-linéarité, entre autres l'actionnement électrostatique est très bien pour générer de la non-linéarité, pour exacerber les réponses et en tenir compte. Et on va même faire une étude un peu amont, on va dire, on va voir ce que ça donne, sur l'utilisation du chaos dans les mesures. Le chaos, c'est un peu plus que la non-linéarité. Et en fait, en fonction du point de départ, c'est quelque chose qui est complètement déterministe, mais en fonction qui est très dépendant du point de départ. Donc, si on a une concentration qui évolue, on a l'impression que ça se met à faire tout et n'importe quoi, mais ça fait tout et n'importe quoi, toujours de la même façon. Donc, on va essayer de regarder ça de plus près. Mais là, c'est vrai, tout est en gros linéaire. Bonjour. Donc, j'avais une petite petite question, alors qui est un peu intéressée derrière. En fait, c'est jusqu'à est-ce qu'on peut toujours trouver des MEMS qui vont s'adapter aux environnements les plus, je veux dire les plus difficiles. On peut penser à dans un liquide, par exemple salin, de l'eau de mer, sous forte pression, et aller mesurer une concentration d'un gaz un peu dilué. Suite à, par exemple, de la respiration et venir mesurer de l'oxygène, est-ce qu'on peut toujours trouver... Il y a des poissons. Voilà, des matériaux, est-ce qu'on peut trouver des matériaux alors, qui résistent. Ce que j'ai montré fonctionne en liquide. Alors, bien sûr, j'ai choisi une application pour ne pas tout vous présenter. On avait travaillé avant sur le liquide, la caractérisation de milieu liquide, sur la viscosité, viscoélasticité de liquide. Donc, tout ce que j'ai présenté, ça marche en liquide au sens où...
on a des résonances, elles sont moins jolies dans le sens où il y a des spectres beaucoup plus arrondis que des pics pointus. Donc, facteur de qualité pas très bon. Mais du coup, on a beaucoup plus d'informations dans le facteur de qualité. Donc, ce que j'ai montré, masse volumique et viscosité, on l'a fait en liquide pour caractériser différents liquides. Donc, ça fonctionne. Après, le fait que ça soit salin, ben, c'est peut-être sur le choix des matériaux, effectivement. Comme j'ai dit, là, sur, nous, on s'oriente vers carbure de silicium et diamant parce que c'est des matériaux à grand gap et qui vont être bien pour les radiations. Mais ils sont aussi bien pour tout ce qui est corrosion, enfin, le carbure de silicium. Après, ce n'est pas complètement mature. Alors, le diamant, plus Alessi, il travaille depuis longtemps là-dessus. Mais on commence à avoir des composants, on a des poutres et ils sont en train de mettre au point la techno de Semut sur le carbure de silicium entre le créa et le gréement. Par contre, après, faire de la mesure de détection de gaz, enfin voilà, c'est. Mais avoir des réponses et caractériser le liquide, déjà, mais justement pour moi, enfin, moi, ce que j'aime bien dans ce type de projet, c'est. Alors, c'est très bien l'interdisciplinaire, mais après, on est très dépendant des uns et des autres, on n'a pas toutes les compétences, tout s'empile et les complications s'empilent. En choisissant de mesurer des propriétés physiques, elles sont déjà bien pas trop mal caractérisées. On enlève la couche sensible, donc on est moins dépendant de phénomènes. Et donc, je pense que peut-être la viscosité, enfin, s'il y a des bulles de gaz, s'il y a des dégagements, là, les propriétés physiques, faut trouver les bons, la masse volumique, tout ça, vont, à mon avis, dépendre du gaz, de la présence de gaz. Après, c'est les ordres de grandeur qui sont à regarder de près, parce que quand ça ne change pas beaucoup, automatiquement, on n'est pas sûr de mesurer, quoi. Mais je pense qu'il y a deux. Enfin, ça se teste. Merci. Bon, merci. On va passer encore des questions à vous. Je suis là jusqu'à. Ouais. Pendant la pause. Parce que moi aussi, j'aurais des questions. Notamment, une petite question. C'est du coup sensible. Tu parles de palladium. Et qui aime bien l'hydrogène. Ou l'hydrogène aime bien le palladium. Est-ce que vous avez détecté des signes de fusion nucléaire à haute d'hydrogène? Non, on n'a pas été jusque-là. C'était le débat dans les années 90, la fusion froide. Non, on n'a pas fait. On a détecté de l'hydrogène avec du palladium, mais c'est tout. Merci. Merci à vous.